y a ces choses ou ces personnes qu'on ne comprendra jamais. Il y a ces situations qui nous environnent et qui nous laissent stupéfaits. J'aurais bien pu vous taire ou dire que ce n'est pas mes affaires. Mais c'est ce que beaucoup ont fait, c'est condamner des gosses en enfer. Pourtant, personne ne les a envoyés d'avoir ce bébé. En ce beau mardi ensoleillé, j'ai vu leurs yeux briller de fierté. Maintenant qu'il est là, papa n'a plus le temps. Et maman dit qu'elle n'a rien. Aujourd'hui, il a l'âge de faire le bon. Mais ils traînent encore chez les voisins. Papa trouve qu'il est devenu grand et qu'il peut aussi contribuer. Alors qu'il n'a que 8 ans, le voici qui cire des souliers. Ce soir, la maison est enflammée. Le petit mon père entré sans rien. Après quelques bons coups de fouet, c'est sûr, il dormira dans la faim. Il y a ces choses ou ces personnes qu'on ne comprendra jamais. Toutes ces situations qui nous environnent et qui nous laissent stupéfaits. J'aurais bien pu me taire ou dire que ce n'est pas mes affaires. Mais c'est ce que beaucoup ont fait et qu'on allait de gosse à l'enfer. La vie est ainsi faite. Il y a des hauts et des bas. Mais si nous avons la chance d'être un peu en haut, n'oublions pas ces pauvres qui propissent en bas. Le pauvre, il est condamné à souffrir déjà de cette tendre enfance. Il ne saura ni lire, ni écrire. Et il n'a jamais en revenu de vacances. Voici le difficile quotidien de Mokka qui n'a pourtant pas demandé à naître et qui mène à cette vie de tolard. Sous nos yeux complices, il faut l'admettre. Mais c'est le quotidien de pleines filles et garçons que nous rencontrons chaque jour dans nos ruelles. Et si nous nous taisons, en réalité, c'est nous, les vrais criminels. Il y a ces choses ou ces personnes qu'on ne comprendra jamais. Il y a ces histoires qui nous environnent et qui nous remplissent de regrets. J'aurais bien pu la boucler et dire, je ne suis pas coupable. Mais de toute cette cruauté, on est tous responsables.